Hop hop hop, plus personne ne bouge. Aujourd'hui les gars, je vais explorer une grotte super secrète de Fortnite et surtout super dangereuse. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé à l'intérieur les gars, je sais pas, mais ça s'annonce être incroyable. Enfin bref les gars, bon bah les likes à cette vidéo, mettez au moins 1 milliard de likes pour cette exploration de fou furieux, sinon je vous tire dessus. Et maintenant que c'est fait, abonnez-vous tous à ma chaîne YouTube en activant la cloche de notification, parce que j'ai quand même envie d'avoir 10 millions d'abonnés, donc dépêchez-vous de vous abonner hein. Et maintenant que c'est fait les gars, mettez tous mon code créateur BDD dans l'optique de Fortnite. Oui c'est un muscule, c'est pareil. On s'en fout. Ok, c'est fait. Bah super les gars, je vais encore offrir un pass de combat à l'un d'entre vous. Ok, alors dis-moi, est-ce que tu aimerais avoir le pass de combat en cadeau? Oui. Ok, et c'est envoyé. Merci. Ah bah de rien. Bon, nous sommes dans la question la plus importante du monde. Selon toi, quel est le code créateur de Fortnite? Code BDD. Ah, merci beaucoup. Si vous voulez recevoir un pass de combat de ma part sur Fortnite, d'une autre sur Fortnite et de préférence sur Insta, merci. Ok les gars, c'est parti. Aujourd'hui, je vais aller explorer la grotte secrète qu'on a découverte dans la vidéo d'hier, les gars. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, les gars, allez vite la voir parce que j'ai trouvé le dinosaure secret de Fortnite, hein. Et oui, je sais exactement où il est, je sais ce qu'il prépare, hein. Enfin, bref, les gars, c'est parti. On va tout de suite se rendre à la grotte secrète parce que, du coup, sur le passage, j'ai découvert une grotte secrète, les gars, pour ceux qui savent pas. Vraiment, enfin, c'est pas vraiment une grotte secrète, c'est plus une mine secrète, les gars, dans laquelle, bah, je ne sais pas ce qui se passe dedans. Mais moi, j'ai très envie, les gars, d'aller l'explorer parce que je me demande vraiment quel carabistou il se passe là-bas, hein. Ça se trouve, les gars, on va découvrir un secret de Fortnite, un secret de fou furieux, je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans, peut-être même un boss secret les gars. Imaginez, je trouve un boss secret avec une arme secrète, ce serait un truc de fou furieux hein. Enfin bref, on s'y rend tout de suite les gars. N'oubliez pas comme d'habitude les gars de mettre un gros like à cette vidéo si elle vous plaît les gars, parce que moi je découvre toute la saison 1 du chapitre 3 carrément en vidéo. Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner à la cloche de notification hein. Et du coup faut bien mettre des likes les gars pour me dire si ça vous plaît hein. Bon enfin bref, alors attendez, je sais plus où est la grotte. Si je dis pas de bêtises les gars, elle est vers là-bas. Attends, faut que je retrouve. Je crois qu'elle est elle est là je crois les gars, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est vers là-bas les gars. Bon attends, je vais prendre quelques armes les gars au cas où, au moins une arme de quoi me défendre les gars, parce que imaginez je trouve un truc de fou furieux dedans les gars, on va ça va pas le faire hein. Oh oui carrément des, oh c'est parfait ça carrément hein. Des petites fioles, un petit peu de bile les gars pour me défendre, on sait jamais hein. Et il me faudrait du coup une petite voiture ou un petit 4x4, ce serait quand même pas mal ça, pour pouvoir me déplacer tranquillement et rejoindre la grotte secrète. Enfin la grotte secrète c'est plus une mine secrète, mais imaginez les gars c'est la grotte de Brutus carrément qui est de retour à chapitre 3, c'est un truc de fou furieux hein. Bon ça m'étonnerait les gars, mais on sait pas hein. Du coup faut vite que j'explore ça. Alors attendez, c'est quoi là-bas? Oh il y a des mini les gars. Oh, les mini c'est pas mal, je vais prendre des mini les gars, je vais lâcher les bottes. Ce qui m'intéresserait plus les gars c'est trouver une petite voiture. Bon c'était pas du tout une mini en fait, c'était juste un truc pour celui les gars. Oh parfait carrément. Oh là là incroyable les gars. Ok parfait les gars, j'ai trouvé carrément un 4x4, c'est incroyable. Ah, attendez, faut vite que j'aille me rendre là-bas pour trouver la grotte secrète. Mais attendez, c'est peut-être la montagne qu'il y a là-bas en fait. Je me suis peut-être trompé les gars. Bon, attendez, je vais aller voir là-bas. En fait j'ai du mal à me repérer parce qu'il y a tellement de montagnes maintenant sur le chapitre 3 les gars. Je sais plus laquelle est laquelle en fait. Mais dans mes souvenirs, alors attendez, dans mes souvenirs, alors là. Oh ce serait pas là. Mais non c'est pas là les gars. Mais non mais c'est pas là-bas en face non plus les gars. Mais attendez, mais elle est où la grotte? Ce serait cette montagne là? Ah non, c'est celle là-bas je crois. Bah attendez. Non mais je suis paumé les gars, je sais plus du tout laquelle grotte c'est. Je crois que je vais devoir aller voir ma vidéo carrément pour la trouver là, c'est pas possible. Je commence cette vidéo les gars, je trouve même pas la mine secrète carrément que je cherche. Ah oui, elle est là-bas, elle est là-bas. Ah oui, c'est sûr elle est là-bas les gars. C'est cette montagne là les gars. C'est pour ça que quand je l'ai vu les gars, j'ai eu tellement peur, j'ai dit mais c'est quoi cet endroit de fou furieux? Parce qu'en fait, ça rentrait dans la montagne, et la montagne est tellement grande. Il y a gravement les gars qu'on découvre un truc de fou furieux, je sais pas ce qu'il y a là, il y a peut-être une base secrète en dessous hein. Bon, on n'est pas sûr sur celle-là quand même de droit de grotte là, mais attendez. Oh si c'est là les gars. Oh si c'est là les gars. Regardez. Les gars, regardez un petit peu carrément. La grotte, comment elle fait flipper. C'est juste ici. Oh, bordel. Oh, regardez, ça dit interdiction de rentrer, les gars. Interdiction aux gens de les marcher dedans, les gars. Mais moi, j'ai trop envie d'aller découvrir ce qu'il y a dedans. Je me pose vraiment des questions, les gars. Ça fait trop flipper, les gars. Dites-moi dans les commentaires, les gars. Est-ce qu'il faut que je rentre ou pas? J'ai trop peur, carrément. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Hein. Ça trouve, il y a un puits géant, les gars, jusqu'au fin fond de Fortnite. Carrément, peut-être jusqu'à la map du chapitre 2. On sait pas, vu que la map du chapitre 2, les gars, elle est en dessous de la map du chapitre 1. Chapitre 3, qu'est-ce que je raconte, moi? Je suis trompé carrément. Bon, attendez. Je monte vite fait, je vais explorer ça. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a une lanterne. Oh, ouais, il y a un coffre de fou furieux par contre. Oh, ouais, le loot de malade mental. Non, mais là, les gars, le loot, c'est pas pour rigoler. Hein. S'il y a du loot comme ça, les gars, c'est forcément ce qui se passe. Des carabistouilles de fou furieux en dessous, les gars. Et que si on rentre, il faut qu'on s'équipe de la tête aux pieds. Hein. Bon, enfin bref, les gars, je pense que vous m'avez tous dit dans les commentaires de rentrer. Donc, c'est parti. J'attaque cet endroit, les gars. Et je vais commencer à rentrer. Par contre, il faut vraiment que je fasse attention, les gars. Hein. Je vais essayer de rentrer petit à petit. Il faut que je fasse super attention. Qu'est-ce qu'il y a carrément, les gars? Il y a rien, il y a pas de message, il y a pas de truc bizarre. Oh, il y a une lanterne ici, ça fait flipper. Et oh, what, ça descend. Oh, bordel, les gars, ça descend tellement loin. J'ai trop peur, j'ai pas envie d'y aller, en fait. Les gars, il faut que j'explore cette mine de fou furieux, les gars, mais ça fait trop peur. Ça me fait penser, pour ceux qui connaissent, les gars, il y a une mine
comme ça un petit peu sur GTA 5 et une mine secrète qui fait vraiment flipper. Bon, c'est pas du tout le même jeu, les gars, mais moi j'ai joué à ce jeu là il y a super longtemps sur ma chaîne. D'ailleurs, les anciens sur la chaîne, les gars, manifestez-vous dans les commentaires. Hein. Et du coup, j'ai un petit peu peur d'aller dedans parce qu'il y avait des carabistouilles, des fous furieux, il y avait des tueurs et tout. Regardez carrément quand ça fait trop peur, les gars. Je vais quitter l'extérieur. Au revoir, l'extérieur. Ok, je rentre, les gars, je rentre. Oh bordel, mais qui est-ce qui se met? What? Mais c'est tellement grand. Oh, mais what? Il y a même un petit train-train, les gars. Est-ce que vous pensez que je peux aller faire du train-train? Ah non, je peux pas faire du train-train. Mais les gars, mais what? Mais c'est immense. Bon, attendez, on va explorer tranquillement, les gars. On va prendre un petit peu notre temps. Attendez, il y a un petit endroit ici. Ah voilà. Avec un petit coffre fort. Ça peut être aussi un endroit très cheaté, les gars. Allez, looter là en game, que c'est comme ça, personne vous voit, personne sait que vous êtes ici. Carrément, vous êtes à couvert parce que vraiment, personne ne connaît cette mine secrète, les gars. Hein. Si vous la connaissez, les gars, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, je la connaissais pas carrément. Et si vous la connaissiez pas, les gars, mettez un gros like à cette vidéo. Hein. Donc c'est parti, on continue. Donc là, on est quand même au premier étage à peu près. Je pense que ça qu'on peut dire, les gars, au premier, enfin, à la première cave. Et on a un coffre ici, là, dans des débris. Oh, il y a un magnifique pompe, les gars, avec du coup des cailloux. Est-ce qu'ils se cassent, les cailloux? Oh non, les cailloux ne se cassent pas, les gars. Hein. On dirait du charbon carrément. On dirait une mine à charbon, les gars. Hein. Oh, mais c'est tellement haut. Mais par contre, ouais, what? Mais attendez, mais j'ai envie d'aller explorer carrément. Oh là-bas, là, c'est incroyable. C'est tellement grand, les gars, cette grotte. Oh, la grotte de fou furieux. Par contre, les gars, avant de finir cette vidéo, je vais détruire tout ce qu'il y a dans la grotte pour voir un petit peu à quoi elle ressemble réellement grâce au feu, bien évidemment. Bon, j'espère que j'ai pas trouvé de boss carrément ni d'acolytes qui vont le protéger parce que sinon je vais être un petit peu dans le caca. Mais normalement, ça va bien se passer. Hein. Du coup, continuons un petit peu l'exploration. Donc là, ah oui, carrément. Oh, mais il y a un rail qui s'est cassé ici et qui continue là. Oh, ouais, il y a un coffre de fou furieux. Ouais, il y a encore un coffre. Mais il y a combien de coffres, frère? Non, mais les gars, il y a trop de coffres. Il y a trop de coffres. Par contre, c'est un truc de fou furieux cet endroit. Mais what, ça continue en bas? Oh non, ça fait trop flipper, les gars. Il y a tellement de coffres. Attendez, j'ouvre tous les coffres, les gars. Parce que là, c'est un truc de malade mental, les gars. Il y a tellement de coffres. Attendez, j'en ai ouvert 1, 2, 3 déjà. Il y en a 4 là. Un mythique ici. 5, 6. Oh, mais il y a tellement de coffres. Mais c'est tellement grand. Mais what? Attendez, par contre, je crois que c'est un cul-de-sac. Ah ouais, il y a pas d'autre endroit, par contre, les gars. Oh, mais elle est tellement grande, la grotte. Mais elle est immense. Et même, il y a des armes par terre, carrément, les gars. Bah, attendez, j'ouvre les coffres, Je peux trouver des dingueries, les gars. Mais attendez, je suis choqué de cet endroit, les gars. Il est tellement grand. Et why? Oh, j'ai carrément la PM en or. Oh, incroyable, ma PM en or, les gars. Mais vous rendez compte, un petit peu du loot de fou furieux qu'on trouve, les gars, dans cette grotte. C'est juste un seul endroit, carrément. C'est mieux qu'une ville. Dans une ville, les gars, vous vous battez pour avoir un ou deux coffres. Là, les gars, on en trouve 70 000 d'un coup. C'est n'importe quoi, là. Ok, donc continue en bas. Mais ça fait trop peur en bas. Par contre, il y a un virage, les gars. Ça fait trop peur. J'ai pas envie d'aller en bas, là. J'ai trop peur de cette grotte, carrément, les gars. Oh, il y a une arme. What? C'est mon arme en haut. What? Mais qu'est-ce qu'elle fait en haut, mon arme? Mais what? Elle est hantée, cette. Non, mais les gars, elle est hantée. Cette grotte est hantée. Qu'est-ce qu'elle faisait en haut, mon arme? C'est quoi ça? Les gars, il y a des fantômes, c'est sûr, dans cette grotte. C'est quoi cet endroit? Oh, il y a une poulie ici. Il y a des cailloux un peu partout. Il y a de la neige, les gars. Mais j'ai un truc qui neige dedans. Ah ouais, il y a la neige qui est rentrée carrément par l'entrée. Oh non, mais elle est incroyable, cette grotte, les gars. Ok, bon, continuons, les gars. Je sais pas si c'est la fin là-bas. Ça fait un petit peu flipper. Non, il y a rien derrière ce mur. Il y a quoi là-bas? What? Mais encore des virages. Mais what? Mais c'est tellement grand. Oh, mais c'est immense. Attendez, je peux casser les cailloux là, par exemple? Ah ouais, je peux casser les cailloux. Mais c'est immense. Mais what? Je suis choqué, les gars. Il y a encore un coffre-fort ici. Il y a eu un éboulement, par contre, les gars. Oh là là, il y a eu deux gros rochers. Mais what? Oh non, mais c'est gigantesque, les gars. J'ai trop peur de rentrer dedans, par contre. Ok, je rentre. Ok, c'est encore interdit. En fait, je suis rentré par l'endroit interdit, les gars. Et ça continue, mais what? Non, cette grotte, c'est une grotte de malade mental, les gars. Bombardez là carrément pour cette exploration de fou furieux, les gars. Je prends des risques. Je pense qu'il y a un boss qui a regardé. Ça continue en bas. Mais elle est tellement grande, la grotte. Ok, ici, on a un coffre mythique. Attendez, on a une autre sortie carrément à la grotte. Enfin, la grotte, la mine. Attendez, je dois rendre fou les gens là à dire de grotte depuis tout à l'heure alors que c'est une mine. Parce que ça, les gars, ça a été creusé carrément par des joueurs de Fortnite. Hein. Enfin, en tout cas, des boss de Fortnite ou je ne sais quoi, les gars. De Fortnite, ça fait vraiment flipper. Hein. Et du coup, on a une sortie ici. Ah ouais, d'accord. Avec un rail ici. Ah ouais, le rail, il est complètement pété. En fait, ici, à mon avis, c'est pour vider. Ouais, il y a encore un coffre. Mais wesh, non, mais c'est trop là. Non, mais c'est trop là. Je m'assois, les gars. Les gars, je m'assois carrément à l'extérieur tellement c'est trop là. Hein. Et en fait, en plus, on peut encore aller looter là-bas. Mais ça, on connaît, les gars. Ça fait partie du chapitre 1 de Fortnite, mais cette grotte. Ouais, il y a encore un coffre en haut! Non, mais c'est trop. Non, les gars, faut que je m'allonge là, carrément. C'est trop, les gars, c'est pas possible. Il y a tellement de coffres. Ah non, mais le loot de fou furieux, par contre, je suis choqué, les gars. Ok, je suis choqué. Bon, enfin bref, retourne à l'intérieur, les gars, de la mine secrète de Fortnite, de la grotte secrète de fou furieux, les gars, dans lesquelles les gens minent et sortent des cailloux, parce que du coup, là, elle est en train d'être creusée actuellement, les gars, la mine. Hein. Donc, on est allé du coup dans la mine interdite qui était juste ici, les gars. Elle était condamnée. Elle était condamnée aussi en haut. Là, on rentre par un endroit qui n'est pas condamné, du coup, et on va pouvoir aller explorer le reste en bas. Mais what? Mais ça fait tellement. Oh, mais il y a trop de loot, mais c'est tellement grand par contre. Non mais c'est trop les gars. Mais c'est quoi cet endroit que j'ai découvert carrément? Est-ce que c'est censé exister sur Fortnite? Je suis pas sûr hein. Ok, on a une autre sortie ici. Et je crois qu'on est à la fin de la grotte les gars. Ah ouais, on arrive à la fin de la grotte malheureusement. Du coup, oh là là, attendez, faut vraiment que j'explore bien comme il faut les gars. Ça se trouve carrément en cassant des murs, je vais découvrir des passages secrets, on sait pas les gars. Donc restez bien jusqu'à la fin. Hein. Et attendez, ici ça nous amène où? Ok, ici ça nous fait sortir de la montagne. Mais attendez, il y a encore du loot en haut. Bah alors là, moi les gars, je monte en haut, je vais voir ce qu'il y a en haut. Hein. Parce que là niveau loot, on est à un niveau de loot les gars, il y a tellement de loot, c'est un truc de fou furieux. Ouais, il y a une aire de fou furieux ici. Ah ouais,
la nouvelle ère, elle est incroyable. Ouais, il y a même un coffre caché ici. Mais ouais, il y a des coffres cachés. Non, mais elle est incroyable. Non, mais là, oh, la mine secrète, les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette mine secrète, si elle est cheatée ou non sur Fortnite. Mais c'est le meilleur endroit, les gars, je crois, pour aller looter. Hein. Vous êtes tranquille, vous êtes à couvert, vous avez du loot à mort, c'est incroyable. Hein. Ok, du coup, on est rentré par là, on a une sortie par ici, et on a une autre entrée par ici. Et dans toute la montagne, les gars, la montagne énorme. Est-ce que vous voyez sur la map un petit peu la taille de la montagne, tellement elle est grande là? Et ben en fait, c'est toute la mine secrète dedans. Bon, du coup, c'est reparti, les gars, on y retourne. Je vais aller détruire carrément cet endroit, les gars, pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc c'est parti, attendez, je mets le feu, les gars. On va voir ce que ça va faire carrément, ça va détruire cet endroit. Oh, bordel, ça met le feu par terre carrément. Faut que je fasse attention, les gars. Je mets le feu carrément à la grande secrète. Si ça se trouve, les gars, la mine est hantée carrément, et je vais avoir des problèmes sur Fortnite après. Hein. Imaginez, les gars, va y avoir des fantômes qui vont me voler carrément ce qu'il y a dans mon inventaire sur Fortnite quand je vais faire des vrais gars. Ça va être n'importe quoi. Hein. Bon, je pense pas, j'en doute honnêtement, mais imaginez carrément, il y a vraiment des fantômes ou un truc secret dedans, je sais pas. Hein. J'ai essayé de découvrir ça, les gars. Bon, ok, j'ai détruit l'entrée. Oh, mais elle est tellement belle l'entrée comme ça, un peu détruite, les gars. Oh, elle fait flipper la grotte. Mais j'étais dedans depuis tout à l'heure, moi, je suis un fou furieux, les gars. Hein. Ok, donc continuons, les gars, je vais essayer de détruire un petit peu tout. On va essayer de découvrir petit à petit. Donc là, on est dans la partie qui n'est pas abandonnée de la grotte, qui n'est pas interdit au public ou même aux travailleurs, du coup, parce que du coup, il n'y a pas de panneau interdit, les gars. Elle est ouverte, bien évidemment. Donc ça se trouve, on va pas rencontrer beaucoup de choses ici, enfin découvrir beaucoup de choses. Mais par contre, quand on va monter dans la grotte interdite, les gars, là, à mon avis, il risque d'y avoir des trucs de fou furieux. Hein. Donc c'est parti, continuons, les gars. J'essaie de détruire un petit peu tout. Il y a des lanternes un peu partout, il y a des murs un peu partout. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai un petit peu peur, les gars, honnêtement, de faire tout ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si Fortnite avait prévu que quelqu'un fasse ça d'ailleurs. Si même carrément la grotte était prévue pour être découverte. Ce qu'imagine, les gars, normalement, elle doit être totalement condamnée. J'ai réussi à rentrer dedans alors qu'il fallait pas, je sais pas. Hein. En tout cas, la partie interdite au public. Parce que vraiment, personne n'en a parlé, les gars. Il y a même pas les bots ou quoi. Il y a même pas de boss d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'on va découvrir un boss, les gars, quand j'aurai trouvé tout détruit. Hein. Un boss fantôme serait un truc de fou furieux. Par contre, si un boss vient ici, ce serait un truc de malade. Hein. Oh, imaginez Sloane qui avait carrément ouvert le bunker secret, les gars, pour faire sa base secrète, vu qu'elle va revenir normalement au chapitre 3, les gars. Elle va creuser le sol de la map du chapitre 2 pour arriver jusqu'à la map du chapitre 3, les gars. Imaginez, elle arrive dans cette grotte, carrément, elle fait sa base ici, vu qu'elle a fait sa base dans le bunker secret la dernière fois. Oh, ce serait un truc de fou furieux, par contre. Hein. Bon, dites-moi dans les commentaires, les gars, vos théories pour cette mine secrète. Moi, en attendant, les gars, je la détruis tout à fait. Oh, non, c'est la partie interdite. Si c'est la partie interdite. Ok, attendez. Je finis la partie un petit peu par interdite, les gars, de la détruire pour voir un petit peu ce qu'on va avoir. Pour le moment, j'ai rien découvert de fou furieux. Je vais aller brûler l'extérieur ici, comme j'ai fait avec le premier endroit, les gars. What, mais oh là, mais par contre, elles sont. Ouais, Bernard, tu fais quoi là? Oh, mais il est fou lui, hein. Les gars, il y a sanglier qui m'a attaqué carrément, mais c'est les fantômes qui m'attaquent. Oh, non, mais ça, c'est la malédiction, les gars. C'est la malédiction, c'est sûr. Hein. Ok, du coup, la droite est en train d'être détruite, les gars. Mais c'est incroyable. Je fais tout brûler, par contre, mais elle fait vraiment flipper la grotte quand elle est noire comme ça, les gars, avec les petites traces de feu là, un petit peu partout là. La suie qu'il y a sur les murs, c'est vraiment stylé. Hein. Ok, je finis de détruire, les gars. Je finis de casser un petit peu la grotte. On va découvrir un peu à quoi elle ressemble, les gars, quand il y a aucune construction dedans, aucun renfort, parce que là, en fait, les bouts de bois, les gars, c'est un peu des renforts pour tenir la grotte, hein. Enfin, tenir la mine debout. Hein. Imaginez, les gars, en détruisant tout ça, il y a carrément tout qui s'effondre. Ce serait trop drôle. Par contre, les gars, comme ça, on va pas les détruire. Les gros cailloux, on peut les détruire, mais ça va pas faire grand chose, les gars. Mais du coup, regardez un petit peu la tête de la grotte. Bon, ça, c'est la grotte dans laquelle on a accès. Elle est tellement belle. Oh, elle fait peur. Hein. Ah non, elle fait peur, les gars. Honnêtement, elle fait peur. Hein. Elle fait un peu penser à un bunker secret, mais elle fait flipper. Hein. Du coup, continuons, les gars. C'est pas terminé. Il faut que je détruise aussi cet endroit, les gars. Là, on rentre dans la grotte interdite, les gars. Hein. Oh, il va m'arriver des problèmes, ça c'est sûr, les gars. Je vais être hanté sur Fortnite après, c'est sûr, les gars. Dès qu'il m'arrive un truc bizarre, les gars, ce sera de la faute de la mine carrément. Hein. Ok, je casse carrément le panneau interdit. Non, mais c'est trop stylé. Mais j'ai tellement envie qu'il y ait un boss carrément dedans, les gars, ou un PNJ qui me parle. J'en sais rien, moi. Ok, il y a eu des éboulements. Bon, en vrai, si on casse les cailloux, du coup, il y a plus d'éboulements. Attendez, on peut aller là. Ok, ici, je casse. Et après, je vais mettre le feu, les gars, dans le reste de la grotte. Hein. Par contre, c'est vraiment grand, mais la grotte est immense. Enfin, la mine. Pardon, désolé, les gars. Je fais que dire grotte. Comptez un petit peu le nombre de fois où je dis grotte, les gars, dans cette vidéo. C'est n'importe quoi. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, les gars. N'oubliez pas, évidemment, de me dire votre pseudo Fortnite dans les commentaires. Si vous voulez que je vous ajoute sur Fortnite pour que je puisse vous inviter, les gars, pour faire quelques petites vidéos. Et oh, attendez, il y a un coffre. Ah non, ok, il y a pas de coffre. Je crois qu'il y avait un coffre, mais c'est dans la tête que j'ai pas ouvert. Ok, on retourne dans la grotte. Oh non, mais la grotte interdite, les gars, là. Elle fait vraiment flipper. Hein. Donc attendez, je vais mettre un petit peu le feu un peu partout. Ok, là. On va voir ce que ça va donner comme ça, là. Ok, j'ai mis le feu, les gars. Oh, bordel, j'ai mis le feu. Oh, ça met le feu aux fesses. Mais oh. Oh non, mais les gars, si j'ai pas une malédiction à la fin de ces vidéos, je comprends pas. Hein. Ok, le feu est en train de tout détruire, mais c'est tellement stylé. What? Ça fait trop flipper, par contre, les gars. Non, mais je sais pas si je suis autorisé à faire ça. Hein. Je pense que les boss de Fortnite vont pas être contents après. Ils vont me parler, ils vont me dire, mais qu'est-ce que t'as fait, espèce de fou furieux, là? Tu détruis notre grotte. Ok, j'ai tout détruit, mais oh là là, mais elle est belle la grotte. Oh, la mine comme ça, toute détruite, les gars. Ok, je détruis même les installations, les gars, les petits rails, ça peut aider. J'ai vraiment envie de voir à quoi elle ressemble quand elle est totalement vide, sans cailloux par exemple. Bon, du coup, elle est pas vraiment vide parce qu'il y a énormément de loot par terre, mais je peux pas tout ramasser. Non, mais j'ai pas les poches assez grosses, les gars. Hein. Mais par contre, l'endroit vidé, mais oh, c'est magnifique comme endroit. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Ok, on a encore un gros caillou ici. Voilà. Wow. Non mais c'est trop beau. Hein. Et là, on remonte petit à petit. Je crois que j'arrive tout en haut en fait là. Hein. Ah ouais, j'arrive tout en haut, les gars. Il reste plus grand chose carrément. J'ai bientôt fini de détruire la grotte. Enfin, la mine secrète carrément de Fortnite. Maintenant, il y a plus de mine, les gars, et elle est plus secrète après ma vidéo. Hein. Mais les gars, si vous aimez ce genre de petite exploration, ce genre de petits trucs que je découvre sur Fortnite, dites-le moi dans les commentaires, c'est super important. Et surtout, mettez un gros like à cette vidéo. Hein. Parce que du coup, ça me dit si ça vous intéresse ou non et si je dois continuer ou non de faire ce genre de vidéo pour la découverte du chapitre 3, enfin de la map du coup de la saison 1 du chapitre 3. Parce que c'est quand même la map, les gars, qu'on va vivre pendant au moins
moins une année sur Fortnite. Il faut vraiment qu'on connaisse tous les moindres secrets de cette map tout de suite maintenant. J'ai bientôt fini de tout détruire, les gars. J'ai bientôt fini de tout détruire. Oh, mais elle va tellement vite après la grotte. Oh non, mais je. Oh, mais attendez. Oh, imaginez carrément le nouveau dinosaure secret, les gars, que j'ai découvert dans la vidéo précédente. Imaginez, il va ici des fois. En fait, c'est peut-être sa maison, les gars, cet endroit. On sait pas. Hein. Ça pourrait être stylé qu'il ait sa petite maison ici, les gars. Regardez la tête de la grotte, mais elle est tellement belle. Ok, je finis de détruire, les gars. Mais ça va être fini, les gars. Oh là 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 là. Non, mais je vais avoir une malédiction, c'est sûr, je vais avoir une malédiction, les gars. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je vais avoir une si je vais avoir une malédiction. Mais là, je suis quasi sûr, je vais avoir une malédiction sur Fortnite, les gars. J'ai détruit une mine secrète interdite, carrément une mine hantée où il y a carrément des armes qui spawnent au plafond. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du délire? En fait, qui spawnent des armes qui se téléportent au plafond plutôt. Ok, j'ai bientôt fini, je détruis un petit peu cet endroit là. Oh non, mais non, mais je suis pas serein, les gars. Ce que je fais là, oh non, je regrette un petit peu ce que je suis en train de faire, les gars. J'aurais peut-être pas dû le faire en fait. Oh non, c'était une mauvaise idée. Je suis désolé, Fortnite, d'avoir fait ça. Mais bon, c'est trop tard, je peux plus m'arrêter, les gars. J'arrive à la fin carrément. Oh non, j'aurais dû garder un petit peu de feu là carrément pour détruire cet endroit, mais. Ok, j'ai bientôt fini. Les gars, on est de retour devant le panneau carrément interdit qu'on a découvert en début de vidéo. C'est il y a tellement longtemps le début de la vidéo quand même. Ok, je détruis ça. Oh non, mais. Oh là là, l'entrée de la grotte comme ça quand c'est vide, ça fait tellement peur. Mais d'ailleurs, je me demande si après ma vidéo, les gars, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont spawn là. Je me demande carrément s'il y a même des joueurs qui spawn dedans, parce qu'honnêtement, je joue pas beaucoup à Fortnite, moi. Je découvre Fortnite en fait, je joue pas vraiment en game solo. Hein. Mais normalement, cet endroit, il est pas vraiment connu. Hein. What, mais regardez, on peut même détruire. Oh là 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 là, il y a même des poutres en haut. Non, mais la mine, les gars, elle va tomber après. Hein. Les gars, avec ce que je suis en train de faire, je vais détruire la mine. Hein. What, j'ai trouvé une cachette secrète en plus, mais what? Regardez, je vous l'avais dit, les gars, elle est hantée cette mine. Non, non, faut pas que je reste ici. Hein. Oh, attendez, je regarde vite fait, les gars, maintenant que j'ai tout détruit, je regarde où tu vas t'aider la grotte. Elle est incroyable. Bon, par contre, je vais commencer à sortir de la grotte, les gars, je commence à avoir un petit peu peur. J'espère en tout cas, cette vidéo vous aura plu, les gars, elle est un petit peu hantée la grotte. Donc, je vais partir, je pense, parce qu'il y a des trucs qui se posent au plafond, ça fait un peu peur. En tout cas, les gars, si cette vidéo vous a plu, bon, bah, avec la vidéo, c'est super important, les gars. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, en activant la cloche de notification. Et surtout, mettez le code créateur BDDantique de Fortnite. Parce que du coup, faut que j'appelle, les gars, un chasseur de fantômes là pour chasser le fantôme qui est en train de me chasser, les gars. Parce que là, je suis vraiment hanté, hein. Bon, enfin, bref, moi, les gars, je vous dis ciao tout le monde. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. Hein. Allez, ciao, les gars.